Une politique de confinement assortie d'une répression que je trouve, moi personnellement, quasiment obscène. Infliger des amendes qui vont jusqu'à 3 500 € à des gens qui gagnent, qui sont peut-être au RSA, et qui en peuvent plus, qui sont en train de devenir dingues dans le confinement et qui vont essayer de prendre l'air, d'accord? Une telle violence, une telle férocité, jusqu'à des peines de prison ferme, etc. Alors que dans le même temps, on oblige d'aller au travail, que les photos du métro parisien Gare du Nord à 6 h du matin montrent des quais bondés, montrent des gens à touche-touche, d'accord? Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte ce gouvernement? Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il oblige les gens à aller travailler à Paris, d'accord, 14 millions d'habitants dans un métro bondé, mais il fait surveiller les plages du Finistère par des hélicoptères. Attendez, excusez-moi, mais il y a marqué du con sur mon front. Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc? Je veux dire, à quel moment, jusqu'à combien de temps on va se foutre de notre gueule avec ce truc-là? Je veux dire, soit il y a un problème de confinement et on confine, soit on peut envoyer tout le monde bosser dans le métro et faut arrêter d'emmerder le monde parce qu'ils vont prendre l'air sur une plage. Donc, ce qui me met la puce à l'oreille, je le disais tout à l'heure, c'est la violence de cette répression, la férocité de cette répression sur des histoires de promenade. Ça ne va pas. Le coup de l'hélicoptère, je le trouve extrêmement symptomatique. Enfin, je veux dire, là encore, vous avez un test en grandeur nature qui est un test de l'obéissance de la police. Est-ce que la police va Les 160 000 personnes mobilisées, est-ce qu'ils vont accepter cette politique de répression? C'est un test. Est-ce qu'on va trouver un gendarme avec suffisamment de neurones dans la tête pour conduire un hélicoptère au-dessus d'une plage pour traquer une petite vieille qui va respirer? Oui, manifestement, on le trouve. Donc il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord? Mais pas le travail. Le travail, il faut aller bosser. Par contre, se détendre, ça, c'est pas bien. Ça, c'est là, vous avez une moralisation du problème. Enfin, c'est insensé.